Bonjour et bienvenue sur RCF Nice Côte d'Azur dans un nouveau numéro de Contrepoint, votre rendez-vous musical du mercredi. Aujourd'hui consacré à la flûte baroque dont vous pourrez découvrir tous les aspects lors du Confé-concert des vendredis 8 février à 20h30 à Valbonne en l'église Saint-Blaise et le dimanche 10 février à 16h à Nice en l'église Saint-Pierre d'Arène. Deux concerts où vous pourrez découvrir Jean-Sébastien Bach, Vivaldi dans des pièces pour flûte accompagnées par l'orchestre Passion Classique. Et pour entrer dans le vif du sujet, un extrait du concerto pour flûte à bec, flûte traversière, cordes et basses continues en mi mineur de Telemann. L'époque baroque connaît deux sortes de flûtes, la flûte à bec essentielle pour l'âge baroque et la flûte traversière très peu utilisée mais qui prend la place de la flûte à bec à la fin de l'âge baroque, soit vers 1750. Ces deux flûtes appartiennent à la famille des bois qui constituent le corps de l'instrument, le métal ne servant que pour les clés à l'âge baroque, tandis qu'il deviendra le matériel essentiel de construction au XIXe siècle. Le son des flûtes est produit par une brisure de l'air, le son étant produit lui-même par l'impact du souffle sur une arête.
Les trous percés sur le corps produisent des sons de différentes hauteurs. Il n'y a pas ou peu de clés à l'âge baroque. La technique est extrêmement complexe puisqu'il faut contrôler son souffle qui fait le son, le chant qui fait la ligne mélodique, les doigts pour boucher les trous, la langue pour les attaques et les coups d'attaque. La flûte à bec est dessinée depuis la préhistoire puisqu'une grotte de Charente datée de 14 000 avant Jésus-Christ en montre plusieurs représentées sur les parois. Au Moyen Âge, elle est jouée en trio avec la harpe et la vielle. Elle se joue en chambre et accompagne très souvent la voix. Au XVIe siècle, elle se développe au point qu'on la retrouve en ensemble allant même jusqu'à 40 flûtes différentes pour exécuter une pièce d'Alessandro Striggio en 1549. Shakespeare accompagne ces pièces d'un consorte de flûtes et les chapelles aiment à doubler les voix par des flûtes à bec. Au XVIIe siècle, elle est si omniprésente chez Monteverdi qu'on la retrouve dans l'Orfeo, chez Schütz dans ses oratorios, chez Marc-Antoine Charpentier dans ses messes ou chez Purcell dans les anthems. On l'aime pour son son doux et parce qu'elle exprime symboliquement la douleur, la douceur, la joie céleste. Elle est capable de virtuosité, de nuances d'articulation, de jeux piqués. Les modifications de la facture au milieu du XVIIe siècle permettent de passer d'une étendue d'une octave et demie à deux octaves et demie. Son jeu devient plus flexible et on peut la jouer dans toutes les tonalités majeures ou mineures. Au milieu du XVIIe siècle, la concurrence de la flûte traversière entraîne un renouvellement de la technique de la flûte à bec qui montre désormais des gammes rapides, des grands intervalles, des arpèges, un cantabile expressif dans les mouvements lents qui en font un concurrent direct du violon. Schmelzer, Pachelbel, Dieupart, Händel, Carl Philipp Emanuel Bach et Vivaldi lui consacrent plusieurs compositions, que ce soit pour flûte à bec sopranino ou flautino chez Vivaldi, flûte à bec ténor et basse chez Händel, flûte à bec alto chez Pachelbel, l'instrument principal de la famille. La perce s'affine, le corps est tourné de différentes moulures, orné de motifs sculptés, rehaussé de bagues en matière précieuse, ça c'est pour nous les dames, et son jeu exceptionnellement virtuose, mais aussi si proche de la voix qu'on le retrouve à l'opéra, dans des scènes où existent de vrais concours d'excellence entre les chanteuses soprano et la flûte, voire Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau. Une flûte à bec ténor en ré est même capable de rivaliser avec la flûte traversière dont elle s'approprie le répertoire. Cette flûte est si proche de la voix humaine qu'on la nomme flûte de voix, ici entendue dans une sonate en si mineur opus 1-9 de George Friedrich Händel, associée également à un orgue positif et une basse de viol.
Vous êtes bien, voire même très bien sur RCF Nice Côte d'Azur dans un nouveau numéro de Contrepoint, votre émission musicale du mercredi midi. Un numéro que j'ai décidé de consacrer aujourd'hui à la flûte baroque, tant traversière qu'à bec. Flûte qui sera mise à l'honneur les 8 et 10 février à Valbonne et à Nice, à Saint-Pierre-d'Arène, dans un confé-concert qui lui sera consacré et que j'aurai le plaisir de présenter. Après avoir entrevu la flûte à bec, quelques mots sur la flûte traversière ou traverso, l'autre flûte baroque en bois à l'époque, l'un des instruments les plus anciens de l'humanité, peu utilisé avant 1700 et qui bénéficie alors par la division d'un tuyau auparavant d'une seule pièce en trois morceaux, par la transformation d'une perce inversement conique, par l'adjonction d'une clé pour le septième trou. Avant, il n'y avait pas de clé et seulement six trous. La flûte traversière devient donc aux alentours de 1680, grâce à toutes ces innovations si perfectionnées que de grands musiciens, en particulier français, comme Blavet, Hautetert, Delabarre, mais aussi Quantz ou Leuillet. Ces grands musiciens s'y intéressent tout en devenant des virtuoses. C'est la France d'ailleurs qui lui réserve le meilleur accueil, où elle est appelée flûte d'Allemagne, encore une bizarrerie hein, de l'histoire de la musique, et où on l'apprécie, l'émission sonore fluide et contrastée, elle-même utilisée dans l'orchestre par Lully, Charpentier, Destouches, Monteclerc, Marais, ou en musique de chambre, dans le cadre d'une forme en trio avec deux flûtes et basses continues. Sous l'influence française, les compositeurs italiens découvrent cet instrument qui change quelque peu du violon et qui est utilisé de la même manière par Vivaldi, Geminiani, Porpora ou Locatelli. En Allemagne, l'influence française est telle que Quantz, Telemann puis Bach s'en éprennent. Bach qui écrit des sonates pour flûte seule ou pour ensemble de flûtes, qu'il installe dans presque toutes ses cantates, qu'il la place en soliste dans le 5e concerto brandebourgeois, dont voici un extrait du dernier mouvement. Thank you.
C'était le dernier mouvement dans son intégralité du 5e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Juste une petite précision sur les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach qui n'ont jamais été écrits pour une exécution publique en concert. C'était des concertos que Jean-Sébastien Bach avait écrits chez lui à la table, tout simplement parce qu'il espérait avoir un poste à Brandebourg, justement. Le margrave de Brandebourg recherchait un maître de chapelle et pour lui montrer toutes ses capacités à écrire, il avait fait une espèce de traité du concerto, c'est-à-dire si j'écrivais le concerto en écrivant les plus grandes difficultés techniques possibles, inimaginables, les associations les plus étranges, les plus bizarres, les plus baroques possibles. Qu'est-ce que j'écrirais ? Eh bien, il a écrit un recueil de concertos dédié au margrave de Brandebourg. C'est pour ça qu'il s'appelle Concerto brandebourgeois. Alors, il envoie tout ça par la poste. Le margrave de Brandebourg, enfin, en tout cas, son secrétaire, ouvre le paquet et puis dit qu'est-ce que c'est, qui c'est ce type-là ? Jean-Sébastien Bach ne connaît pas. Donc, il prend la musique, il la met sur une étagère de la bibliothèque du margrave de Brandebourg. Il n'écrit même pas pour répondre à Jean-Sébastien Bach en lui disant mille merci. Et tout ça est resté sur une étagère et on a retrouvé ça au début du XXe siècle et on a découvert là ici parmi les plus belles pièces jamais écrites pour la musique. Et on découvre dans ce 5e concerto brandebourgeois la mise en valeur de la flûte traversière, justement, un instrument très peu utilisé encore à la fin de l'âge baroque. Alors si vous voulez découvrir tous ces instruments, flûte traversière et flûte à bec, eh bien je vous encourage également à écouter les œuvres de Telemann dont nous écoutons un deuxième extrait, avec un concerto pour deux flûtes traversières, cordes et basses continues en la mineur, dont nous écoutons le mouvement vif numéro 1 et le mouvement lent. Thank you.
êtes bien sur RCF Nice Côte d'Azur dans une émission Contrepoint consacrée aujourd'hui à la flûte baroque, soit flûte à bec, soit flûte traversière. Eh bien, si vous voulez en savoir plus et surtout l'entendre en vrai et non pas en disque, en pressage, je vous invite vivement à vous joindre le vendredi 8 février à 20h30 à Valbonne en l'église Sainte-Blaise ou le dimanche 10 février à 16h à Nice en l'église Saint-Pierre d'Arène au confé-concert consacré donc à la flûte, à l'heure, flûte baroque, flûte que je présenterai dans tous ses états et que vous pourrez également entendre dans tous ses états. Et je vous donne néanmoins rendez-vous pour un prochain numéro de Contrepoint où j'aurai le grand plaisir de vous parler à nouveau de musique et de musiciens. À très bientôt, merci.